Mais oui, moun, aux États-Unis, on connaît très bien ça qu'a fait là. C'est eux-mêmes qui habitent venir et venir camper ici, de changer les résultats de l'élection, faire faux élection pour mettre des gens qui ont garanti business. Yo. Donc, ils sont très au courant. Et seul, ils sont bien contents. C'est mon marché. Le ministre a fait exam. Ils ont même fait comme depuis nous voulons. Rentrer les âmes dans le pays nou, pour nous tous les Haïtiens pareil. On ne va pas regarder. On va avoir les gros problèmes qui concernent rentrer, résoudre les problèmes par là. Ils ont arrêté les gens qui font moun la caille mal. Ou même, si on ne peut pas arrêter les gens qui font moun la caille mal, c'est pas qui qui réponse ou quoi, compatriotes dans la diaspora, t'as dû porter pour mettre un point final dans le trafic Zamakbal, capitaine de tout pays? Compatriotes dans la diaspora, qui bon, mon yo. Yo pas même gain influence sur ça même. À moins que yo t'a fait lobby, yo fait pression, soit fait lobby Zam aux États-Unis. Oh ouais. Même les petits Américains aux États-Unis, lobby mon cap 20 Zam est tellement puissant que même le gouvernement américain pas capable faire pression sur eux. Au contraire, le gouvernement américain toujours cédé. Voir pour compatriotes, nous gain que l'autre qui bon, mon yo, parce que nous avons plus le monde qui va. Bon, tout le diaspora qui a profité de la situation, qui a fait business par eux. Son lobby qui est extrêmement puissant. Depuis que je vois une côté qui a quitté Zam entre la caille au ministre, il a quitté parce que c'est business qui a fait. Et qui ça doit faire pour nous résoudre le problème ça définitivement? Faire un van pour que Zam Akbal suspend rentrer dans le pays. Population pour sortir, pour découvrir tout le vagabond qui est en tête d'État, c'est la solution qui a fait goal qui perd, qui a fait libéraux pour les gens qui ont besoin de tourner sous pouvoir en désordre. C'est cette population qui a fait un bail là. Faire comme si l'on a rentré, déchouquer et puis mettre l'autre qualité monde dans notre pays. Voilà, c'est colonel Imner Rebu dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Il parlait de gros palto et de compagnie de communication qui n'a importé des armes illégales et munitions dans le pays, d'après ça, le dénoncé. Et brigade de surveillance la drone porte-paix avec la police dans le département nord-ouest, non? Découvri hier trois boîtes cartouches avec deux chargeurs 9 mm qui sortirent dans un bateau yore la tempérance qui était fait qui poteo vini et bateau ça fait route Miami et port de paix Miami et mettre bateau yore les alors monde qui mettre munitions ça de préférence c'est un certain et Fontil Jean Talien alias Jean Bemalet qui c'est un Hongor qui habitait dans la deuxième section communale Port-de-Paix, dans la zone la pointe des Palmis, et qui quoi est là, et dans la police, dans le commissariat Port-de-Paix, elle a répondu à la question. Il dit effectivement, cartouche à charge, c'est pour lui. Et juge Paul Blanc, tu parlé dans le micro, correspondant nous Saint-Jean-Whisky, sous deuxième affaire, ça, qui éclatait Port-de-Paix. Salut, c'est toujours dans le cadre de check de routine que la douane a fait. Pendant la journée, là, j'ai découvert dans une boîte, eh bien, trois boîtes de cartouches. Et alors, on dit trois boîtes de cartouches, qui pas même genre avec l'autre boîte que qu'on découvre. Mm-hmm. Puisque les boîtes de cartouches, ça, chacun gagne 50 munitions là-dedans. 50 cartouches de 9 mm. Trois boîtes là pour 150 cartouches de 9 mm. Et avec deux chargeurs de calibre 9 mm qui gagne là-dedans, il y a un chargeur qui gagne 15 cartouches et l'autre là gagne 10 cartouches et qui totalisait 175 cartouches de calibre 9 mm. Donc la douane était qui non justement pour que nous venions constater les faits. Il y a un colbert Gémin qui justement et déjà dans la police, mais il a déclaré qu'il était porté boîte là pour un monsieur qui est les gens et la Fontil Jean Talien. Donc il y a un patrouille qui était diligenté justement pour être capable de chercher Jean. Et effectivement, Jean vient justement et déclaré que c'est lui-même qui était bail, Colbert des États-Unis étant, et une boîte et pour te transporter. Et Haïti, en fait, nous prenons déclaration, nous prenons des déclarations de Mounsaro, et sans désemparer, nous acheminer le dossier bah, devant le commissaire, le substitut du le commissaire AI de Port-de-Paix, en l'occurrence Maître Bertin Vital. Et pendant que nous avons parlé à là, nous déjà. Voilà, c'est juge, et ça depuis Port-de-Paix, juge Paul Blanc, dans micro correspondant nous dans le Nord-Ouest, Saint-Jean-Whiskis. Donc on a l'autre dossier, commissaire gouvernement des ministères a été mis en disponibilité, il y a autre Port-au-Prince avec lui, qui était lagué, deux mondes qui étaient directement concernés dans Chaïman, ZAM, connecté avec munitions, plus que 100 000 cartouches
et qui était venu à bord d'un bateau. C'était semaine passée, à Jean que nous connaissons. Et sénateur Nord-Ouest.